Bonsoir les gens, c'est Willy et on se trouve pour l'épisode 5 de notre Let's Play sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX. Oulala, j'ai bugué. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, après avoir subi une cuisante défaite, on se retrouve près de Chenipan qui a perdu son pote Crisacier. Et du coup, nous allons aller le sauver. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, faudrait qu'il me dise où est-ce qu'il est. Et il y a aussi la team des méchants, la team d'Ectoplasma, Charmina et Abo, qui nous ont volé des enveloppes avec des missions et qui veulent essayer de choper le Crisacier pour gratter une récompense. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent et je ne veux pas rejoindre l'équipe des maléfiques. S'il te plaît, Willy, aide-nous. Oui, je me prépare juste et je vais leur botter le cul. Ah oui, j'ai plus d'argent. Mais je me suis fait tellement douiller, je suis encore deg hein, de la dernière fois. On va peut-être retirer un peu d'argent. Ah, j'ai pas d'argent. J'ai quoi dans ma bourse? J'ai rien. Bah, on va retirer des trucs. Je vais retirer deux pommes. Oh, le ruban joie, en vrai, c'est pas mal. Après, ben, je peux prendre deux huiles max. 3 béorans. 2 mini résugraines. Et je pense que ça sera suffisant. Hein. Oui, après on verra plus tard. C'est bon. Allez, on y va. Et cette fois, on n'échouera pas. Caverne des illusions. Vous avez désormais accès au donjon Caverne des illusions. Et vous avez désormais accès au bois sinistre. Ouais. Il existerait un étrange donjon qui apparaîtrait de manière intermittente. On raconte qu'on y trouve bien plus d'objets utiles au sauvetage que dans les donjons normaux. Ouais, bah on verra plus tard. Donc là, on va faire les bois sinistres. On y va. J'espère qu'il fera le taf, Magnéti, parce que en vrai, c'est un peu lui qui nous ralentit. C'est ici que Crisacier s'est égaré. L'équipe d'Ectoplasma doit être déjà dans les bois. Dépêchons-nous. Bon bah pour l'instant je vais me laisser un peu guider. Ah, un méchant. C'est bon, il est KO. Pour l'instant on va avancer tranquillement. Ah, tiens. Ça va, ils sont pas non plus ultra forts. Moi, je t'ai évité des conflits. Et on monte. Quoi qu'il y a des objets. En vrai, là, je commence à manquer d'objets, donc... Peut-être faire un petit tour avant de... monter. Aïe. Voilà, ça pourra me servir pour plus... Et on monte. Par contre, s'il y a un combat de boss... Ah, lui je peux le sauver. S'il y a un combat de boss, ça va être compliqué. Enfin, ça me fait un peu peur. Parce que l'ectoplasma doit être plutôt puissant. Et bon, on va voir ça. Allez hop, une charge. Mince. Mais bon, ce sera suffisant. Tiens, prends une pomme. Oh, il veut joindre à nous. Il est niveau 13, donc c'est pas trop mal. Ecomini.
permet de retrouver une pomme, une huile max ou une mini résu graine dans la boîte à objets après avoir utilisé une grosse pomme, une pomme parfaite ou un élixir max ou une résu graine. Oh. En vrai, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il sait faire, mon nouveau pote? Ah si, voilà. Mediena. Ouais. Charge, grondement, tempête de sable. Enfin, jet de sable, morsure. Ouais, c'est pas le truc le plus puissant, mais bon. Allez, on y va. Là, il y a des objets. Oh, sérieusement. Il y a un simulacre, on va se méfier. Voilà, tout se passe bien. Ah, de l'argent. Et... Donc, je vais essayer de bombarder un peu le temps qu'il arrive. On peut pas le sniper d'ici, Magnéti. Voilà. C'est bien, je m'économise un petit peu. Ah. Je récupère cette huile parce qu'elle peut vachement servir. En plus, on n'est pas du plein là à cause de... de la dernière mission. Ah, un Caninos KO. Oui, mais après, j'ai pas non plus 40 000 pommes, donc je veux bien sauver des gens, mais... Voilà, quoi. On va pas le sauver. C'est bon, il est confus. Et fouinette... Enfin, émanité de Mikao. Oh, mais je me prends tous ces pièges, c'est pas possible. C'est quoi cette chance? Allez, je l'achève. Oui. Je suis désolé, mec, mais j'ai... Faut que j'économise mes pommes. Ok. Tiens. Bon, je vais me fier au pilote automatique. Oh non. Ok, c'est bon. Je suis réveillé. Je commence à avoir faim. Je sais pas combien il y a d'étages ici. Je suis à l'étage 5. Je pense que je vais manger. Allez, on va manger une pomme. C'est que ça descend vite quand même, hein, l'air de rien. Hop. Par contre, je sais pas c'est quoi la durée de vie de ce jeu. Parce que quand c'était Pokémon Explorateur du Temps, c'était quand même relativement long. Mais lui, je sais pas s'il est aussi long, j'ai l'impression qu'il est un peu plus court, d'après ce que j'avais vu dans des let's play. Enfin, dans des playlists de let's play, parce que je n'ai pas regardé le let's play, pour pas me spoil. Allez hop. Zut, je voulais faire un pistolet haut et j'ai fait une bourbon. Allez. C'est bon, il est KO. On se réunit.
Et on continue. Ah. Je vais essayer de l'encercler. Là, il peut pas me toucher et moi, je peux le toucher. Ah, mais il tombe à court de PP. Je vais peut-être lui redonner des PP à Magnétique quand il aura... Quand on sera arrivé au bout du donjon. Si on doit s'affronter contre Ectoplasma, ça serait pas mal. Genre contre le Charmina. Comme ça, il pourra snipe à distance. Pendant que moi, je tac. Et Mediena, il pourra faire relativement mal à Ectoplasma. Avec son attaque morsure. Ça, on a une tactique qui est pas trop dégueu. On va y réfléchir. Pour l'instant, on grimpe. Il y a un Yanma qui est KO, mais on s'en fiche. Hop. C'est bon. J'ai cru qu'ils allaient faire une bêtise et qu'ils allaient attaquer le petit groupe de Coxy. Mais non, tout se passe bien. Récupérer l'objet qui est là. Faut se refaire un petit peu d'argent. Hein. Et hop, je mets en pilote automatique pour avancer. On évite les coxies qui dorment et le linéon. Hop, un petit coup d'accélérateur. Et ça va, c'est relativement calme ici. D'ailleurs, je suis un peu un mongol, hein, parce que j'ai pris un ruban et je ne le porte pas. Allez, on va faire un coup de boue. Voilà, il a récupéré un petit coffre. On avance. Je pense qu'il y a facilement 10 ou 12 étages, peut-être même 15. Je mange ma grosse pomme quand je serai à zéro. C'est bon, il l'a mis KO. Il y a un autre coco. Hop. On encercle. Et on tape. Ça, c'est ma tactique quand il y a des Pokémon un peu trop dangereux. Je l'encercle avec ma team et après on le tape tous d'un coup. Comme l'Excellent dans le dernier épisode. Et je mange une grosse pomme. Voilà. Et j'ai récupéré une pomme. En vrai, il est pas trop mal le talent de Mediena. Dommage que je vais le perdre parce que j'ai pas de camp pour lui. Mais bon. Pas trop grave. Voilà, charge. Ah, on level up encore. Hérisson qui passe niveau 14. Oh. Je donne une huile max à mon Magnéti. Comme ça, il pourra refaire rayon signal. Et on y va. Je pense qu'on arrive bientôt au bout du truc. Mais voilà, on commence déjà à avoir des gros donjons. Ah, Balignon. Ah. J'aimerais bien avoir un Balignon pour avoir un Chapignon dans ma team. Ça serait stylé. On y réfléchira. Faut que je prenne un camp. Ok, il a été mis KO. Hop, pilote automatique pour avancer plus tranquillement.
Oula, oula, qu'est-ce qu'il me fait? On continue. Étage 11. Étage 12. On est arrivé. Ça fait longtemps qu'on marche dans ce bois. Je me demande si on va trouver Crisacier. Pas un geste. C'est nous qui allons trouver Crisacier en premier. Désolé, mais vous n'irez pas plus loin. Quoi? Ectoplasma? Pourquoi tu te mets toujours en travers notre route? C'est pas gentil. Nous vous l'avons déjà dit. C'est pour dominer le monde. La mère de Chenipan va nous donner une belle récompense. Et Chenipan va se joindre à nous. Nous nous rapprochons du but. C'est pour ça qu'on peut pas vous laisser chambouler nos plans. Désolé, mais la fête est finie. Gare à toi, Hérissandre. Ok. Pour l'instant, je prends toucher aucun. Donc voilà, on laisse s'approcher. Et on voit les combos. Ah, il est chiant. On va essayer peut-être d'abattre Ectoplasma en premier. Il prend bien cher, hein. Une ou plusieurs capacités sont verrouillées et ne peuvent être utilisées par le Pokémon. Ce statut disparaît lorsque le Pokémon change d'état. D'accord. Aïe. Aïe. Ouais. Mais faut pas abuser parce que après je m'en ai plus. Par contre, c'est combien de temps que je dors là? Ça fait 20 000 tours, j'ai l'impression. Allô? Non, pour l'instant, j'utilise pas. C'est bon, il est KO. Boubomb. Je vais mettre KO le Abra, le Abo. Comme ça, après, je serai tranquille. Je ressuscite, normalement, j'ai un objet. Oui. Tiens. Voilà. Heureusement, ça l'affecte pas. Et voilà. On s'en sortit bien, même si l'ectoplasma était bien chiant. Aïe aïe aïe. Vous perdez rien pour attendre, je me vengerai. Ouf, ils sont partis. Maintenant, faut retrouver Crisacier. Vous êtes à ma recherche? Tu dois être Crisacier. Je n'y pense inquiète énormément pour toi. Viens, on va te ramener. Super. Je n'en pouvais plus attendre, j'ai eu si peur. Heureusement que vous êtes là maintenant. Merci. Ah. J'ai gagné des tickets. On dirait que Mediena veut rejoindre votre équipe. En plus, ce Pokémon connaît la capacité cool Echo Mini. Ah. Oui, bien sûr. Non, pas de surnom par contre. En vrai, lui, il est pas mal, hein, j'aimais son talent. Je suis si content de te revoir, Crisacier. Moi aussi, je suis Nippon. Merci. Et merci à vous aussi, Hérissandre et Willy. Par contre, je n'ai pas d'argent à vous donner. C'est pas grave. Crisacier est sain et sauf, et c'est ça le plus important. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes encore plus sympa que je ne le croyais. Quand je serai grand, je ferai des sauvetages, moi aussi. C'est super, ça. Courage, tu réaliseras ton rêve. Oh, et j'y pense. Willy, et si on construisait une base?
On pourrait en faire quelque chose de vraiment impressionnant. Oh, ce serait vraiment super. Et quand je serai grand, je viendrai travailler avec vous. Moi aussi. Alors c'est décidé. On va installer la meilleure base du monde. William Erisandre, nous allons vous laisser. Encore merci. De rien. À bientôt. Et faites attention à vous en rentrant. Et dire qu'on a travaillé gratuitement. Tant pis, c'est pas grave. Oh, Erisandre se faut cul. Au moins, on a pu donner une bonne leçon à cette infâme ectoplasma. Bon, je suis épuisé. On reprendra demain. Allez, bonne nuit. Le lendemain matin. Eh ben, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Hein. Je vais le relier avec le précédent. Mais ça fera un épisode qui est pas trop mal. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Donjon Mystère. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.